Le marché subit des prises de bénéfices aujourd'hui après sa vive hausse enregistrée hier. Et en baisse ce midi, Ubisoft qui perd près de 4%. Le titre pâtit de l'avertissement lancé par l'américain Electronic Arts. Vinci perd également du terrain, le géant du BTP et des concessions a pourtant fait part de sa confiance pour 2019 après avoir relevé de 9% son dividende 2018. Dassault Systèmes en revanche bondit de 9% à la mi-séance. Le groupe a dévoilé de solides chiffres trimestriels avec une croissance organique qui atteint 10% sur les trois derniers mois de l'année. Beau rebond également pour Faurecia grâce à une étude de Barclays. Barclays qui a recommandé le dossier à surpondérer et qui a fixé comme objectif de cours 55 euros par titre. Après une ouverture dans le rouge, BNP Paribas s'installe à l'équilibre à la mi-séance. Comme redouté, la banque a revu en baisse des objectifs 2020. Elle anticipe désormais une croissance de son produit net bancaire sur la période 2016-2020 de 1,5% par an, contre 2,5% par an prévu initialement. À l'image de nombreux de ses concurrents, les activités de marché de la BNP ont souffert en fin d'année. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.